La rentrée du DM, c'est une formation sur 2 jours qui mixte des conférences et des moments de rencontres et d'échanges dans un village d'exposants. Cet événement est dans le domaine du dispositif médical et surtout basé sur les actualités et les exigences réglementaires. Il a été créé en 2013 et il est désormais incontournable. Ce qui est agréable, c'est qu'à la fois on a la rigueur et un peu la densité de la journée de formation, et puis on a des pauses avec des moments vraiment plus conviviaux dans le village, où là on a plus le temps d'échanger, de se rencontrer, donc c'est un bon équilibre. C'est important pour nous d'être présents de par notre métier, pour rencontrer nos clients, pour avoir cette proximité que la rentrée du DM nous apporte, et on aime bien venir. Ce congrès, ça nous permet de nous tenir au courant des dernières actualités sur les affaires réglementaires. Et puis, il y a un enjeu clé qui se dessine dans le début de nos carrières professionnelles, c'est la considération du développement durable. Cette année, pour la 11e édition de la RDF, on a souhaité effectivement s'emparer du thème de la RSE. 8% des émissions de CO2, 50 millions de tonnes par an aujourd'hui, sont dues à la santé. Donc évidemment, c'est un sujet d'actualité. J'étais ravi, c'est vraiment une audience riche de personnes concernées par le sujet, donc une audience participative, attentive. Ça a été l'opportunité d'avoir plusieurs questions avec la salle, plusieurs échanges, c'est toujours intéressant. C'est l'occasion de rencontrer de nombreux professionnels, acteurs du dispositif médical et surtout d'échanger avec eux. Et c'est l'occasion de se créer un réseau, de l'approfondir et surtout d'avoir des opportunités professionnelles. Ce qui est quand même assez différenciant, c'est de se dire qu'on a des personnes quand même qui sont là depuis déjà plusieurs années, qui connaissent déjà le modèle et qui sont intéressées et qui sont systématiquement presque là chaque année. Donc en fait, c'est même ça crée une espèce d'appartenance aussi à ce salon. Et on a envie d'y être aussi dans cette appartenance et de faire partie de ce réseau, de cette communauté-là quelque part qui est celle du dispositif médical. On a choisi d'être à la rentrée du DM pour la première fois et sûrement pas pour la dernière, tout simplement parce que ça allait de soi qu'il fallait être présent à cet événement qui rassemble tous les acteurs clés de cet écosystème. Alors cette année, plus de 500 personnes se sont retrouvées à Besançon, des industriels, des consultants, des experts médicaux, cliniques, des étudiants élèves ingénieurs de l'ISIFC en fin de parcours. C'est une belle réussite.